Qu'est-ce que t'as là? C'est un crime particulièrement choquant. La police en appelle à la vigilance de chacun. Cheveux, poils des aisselles et du pubis, des excréments, la peau, un truc d'odeur, ce sont des trophées. Une seconde, monsieur le procureur, venez voir ça! On reprend en étendant la zone de recherche. Je veux tous les chiens disponibles sur le coup. Nous avons affaire à un maître. La police n'est pas encore en mesure d'établir si le meurtrier faisait ou non partie de l'entourage de la chanteuse. On le recherche activement. C'est peut-être un des types avec qui elle couchait. Elle était très très liée à Roman Zelliger et aux autres du pensionnat. Ils allaient faire leur truc là-bas pour leur club secret. Leur club secret? Les odeurs. Nous aussi, on a essayé de capturer les odeurs. On trouve des glandes odorifères dans les tissus profonds des aisselles et des parties génitales. En supposant qu'on extrait ces glandes, il serait possible d'obtenir un parfum bien plus puissant qui commet les meurtres pour vous. Je les suspecte tous, même Elena Zelliger. C'est toi qui as tué Katharina. Regarde-moi. Le mieux, ce serait qu'on dise tout. Hein, qu'est-ce que tu l'as fait? Je reconnais ce texte. C'est l'histoire de Grenouille. Un homme qui a créé un parfum à partir du corps des femmes qu'il tuait. Un parfum qui rendait tout le monde amoureux de celui qu'il portait. De quoi avez-vous le plus peur? Combien d'autres victimes vous comptez faire ?